On a commencé avec une mauvaise nouvelle pour le secteur religieux, pour le secteur protestant, c'est la mort pasteur Gérald Bataille. Après un pile rumeur qui t'a circulé hier dimanche 10 septembre 2023, et côté sur tout réseau, il a publié la mort irrévérent, et bien, un petit temps après, pasteur Gérald Bataille a été obligé fait une vidéo pour te prouver à peuple, pour te montrer et fidèle que la tête raide bien vivant. Et un petit temps après, information qui t'a pas arrivé joindre nous, eh bien, pasteur Gérald Bataille fait voile pour pays sans chapeau. Yon la mort qui divisait et population haïtienne, qui divisait en pile haïtien par rapport avec un nom qui t'a cité dans le complot pour assassiner le président Jovenel Moïse. Nous allons faire un petit parler sur le dossier après, puisque il y a un pile commentaire, nous t'aimons partager avec vous dans le dossier. Dans ce moment-là, situation compliquée, la vie vient plus difficile pour compatriotes frères haïtiens qui vivent dans Dabonne, précisément dans la localité Lagora, en République dominicaine. Il y a un groupe ultranationaliste dominicain qui l'a dit coucou rouge, qui bat chalbaré des Haïtiens, côté yo prévoit déchouquer Haïtiens qui vivent dans la localité. Nous allons voir les détails dans le dossier. Ambassadeur français Fabrice Moriès pété champagne pour déjeuner la police France LB dans l'occasion de la journée internationale la coopération policière. Ce n'est pas petit causé, ce n'est pas petit l'obéir. Nous prenons le bas au détail, nous là pour ça. Yon l'autre bord pour Pipiti, 29 policiers, fait voile pour pays ce chapeau en babal bandit. Yon nouvel choc qui troublait la République, le nous connaît déjà. Quantité policiers qui courent quitter le pays pour mauvais la vie avec insécurité. Quel contraste! Policiers qui courent pour insécurité. Qui genre, comment policiers ça yon mouri? Nous prenons plus de détails dans yon petit moment. Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y est? C'est toujours un plaisir pour moi avec vous dans l'émission pour là, mon éditorial avec Yannick, puisque nous là pour nous informer. Si vous faites tomber sur ce channel là, pas hésiter. Abonnez et toujours songez à activer la cloche de notification pour qu'elle soit connectée avec nous et qu'on ne soit pas prêté aucune vidéo de formation n'a gagné pour nous poster. Aujourd'hui, c'est lundi 11 septembre 2023. Déjà, je vous souhaite une très bonne semaine avec même fouglant, même énergie de positivité et surtout avec même l'amour. Avant même nous rentrer dans l'information, aujourd'hui, c'est date qui fixait pour réouverture des classes, pour l'école ta relouri sous toute étendue territoire. Nous prenons le parler sur dossier ça, puisque gagner des considérations pour nous faire. Si haïtien nous y est, le problème nous vient devant nous, les problèmes nous posent, nous pas courir pour nous, c'est responsabilité nous pour nous camper en face, yo, pour nous assumer yo, et pour nous garder qui j'en nous ka aider l'autre monde qui yo même pas ka lever en bas en problème, en bas en situation qui est difficile. Ministère de l'Éducation nationale, Nesli Maniga, dans le moment là, l'igon politique gade m'nange, magado nange que l'a utilisé vis-à-vis de parents yo, vis-à-vis de élèves l'école yo, vis-à-vis de professeurs l'école yo. Et pourquoi pas vis-à-vis de directeur l'école. En tant que ministre de l'Éducation nationale, Nesli Maniga a un port de responsabilité dans la question de sécurité de Timounio qui prend l'école. Dans la question de sécurité parents qui a mené Timounio l'école, qui prend chercher Timounio l'école. Il y a un port de responsabilité dans la question de sécurité professeur et qui prend faire cours, qui souhaite faire cours, etc. Et dans l'ensemble, c'est responsabilité Premier ministre, c'est responsabilité DG la police pour y mettre sécurité en dedans pays pour chaque monde fonctionner libre pour aller vaquer à l'activité. Et bien je dis en là population pays partagé, divisé par rapport avec question rentrer l'école là. Est-ce que l'école doit l'ouvrir? Est-ce que l'école pas doit l'ouvrir? Et moi-même, j'ai position sur dossier ça, mais bien avant nous prenons le garder deux hypothèses. Faut nous parler. Est-ce que l'école doit l'ouvrir jeudi en septembre? Première considération, m'a fait avec vous. Nous dans le département l'Ouest.
li évident que département l'Ouest là yon directeur l'école qui choisit ouvrir l'école li journée jeudi en septembre c'est assez risqué péril puisque Ariel Henry ak gouvernement là DG la police ak état-major là nous pas vraiment wè ki disposition yo prend là pour garantir sécurité parents élèves professeurs etc. Mais pas oublier Haïti pas seulement gen yon grand département qui rele département l'Ouest. Haïti pas seulement gen deux départements là qui rele l'Ouest ou bien l'Antibonite côté bandi grand griffio bandi sarien yo a opéré a ferraillé la nuit pour la journée. Là nous prenons par exemple yon département takou NIP. Est-ce qu'on pense jodi en septembre l'école pas pouvri dans département NIP? Ou bien précisément, est-ce qu'on pense l'école pas pouvri dans Miragouane jeudi 11 septembre? Qui fréquent au bandit ta fréquent? Qui sou moun qui dérespectant au bandit ta dérespectant assez? Pour le dire, li pralé dans Miragouane, li pralé dans Niplan, li pralé sima et la troublage jusqu'à ce que l'école va ta ka ouvri pour ti moun, pour parents et alvake activité au librement. C'est fréquent bandit ça ta fréquent. Parce que dans NIP, le commissaire Muscadin a décidé en tant qu'autorité pour l'assumer responsabilité, pour veiller à ce que les bandits ne viennent pas terroriser les gens, pour les gens libres, pour faire ça, pour les gens libres, au respect de la loi, au respect des principes. Ça, c'est Muscadin dans Miragouane, dans le département NIP. En septembre, là, est-ce que l'école va ouvrir dans le Grand Sud? Est-ce que l'école va ouvrir dans le Sud-Est? Est-ce que l'école pas pouvri dans Grandanse? Est-ce que l'école pas pouvri dans Nord? Li évident. On parent ka gen ti problème, li poko bay premier vestiment, li pa vre ti moun nan. Li poko pran uniforme, li pa vre ti moun nan. Li poko fin acheter livre, li pa vre ti moun nan. Mais nous sûr que département sa yo moun sot sito la, côté que nous pas tande bandi a fè la loi, bandi a ferraille 24 sur 24 7 sur 7. Li évident que il y a des dispositions qu'a prend pour l'école ouverte. Ni pas bon côté parents yo, ni pas bon côté direction l'école, ni pas bon côté professeur l'école yo pour ti moun yo retourner dans classe. Est-ce que département l'Ouest, est-ce que Port-au-Prince, centre-ville, aire métropolitaine paré pour l'école ouvri? Non. Ça a pas rien de souli. Non, li pas paré. Trois semaines de cela, gros drame dans Kafoufeuille. Côté bandit, mettez un paquet de famille dehors la caillou, boulez tout ça yo te gagné. Mettez un paquet de famille dehors la caillou, volé piller tout ça yo te gagné. Son situation qui joue aujourd'hui là, qui très difficile non seulement pour famille ça yo, mais en pile nan yo qui côté yo al prend refuge. C'est dans l'école, que ce soit lycée, que ce soit l'école nationale et même des écoles privées. Pour m'aller plus loin, ça plus grave. Il y a des gens qui sont obligés à prendre refuge dans le cimetière. Nous connaissons le cimetière, c'est la dernière demeure. Moi, les gens qui mourent. Eh bien, vivant, chrétien vivant, tant qu'on cap garde vidéo, il n'y a pas de l'autre issue, il n'y a pas de l'autre route pour passer, il n'y a pas de l'autre porte pour frapper. Yo oblige à dormir dans le cimetière avec Timoun nan men yo, alors que Timoun sa yo. Nan dernière année scolaire, là, yo te l'école, yo te souban l'école, parents yo te kase tête, yo fait tout ça yo konne, al brase la yal, brase la vyan, pou yo te voye yo l'école. Mais année sa, nou e ki difficulté. Gen moun jounen jodi an la parent Timoun soubra yo ki te l'école année passée, ki ap dormi leve nan rek steyat. Rex teyat sa, pendant un bon bout de temps, yo te fait le dépôt 3 pour pousser, là, en pile, mon ange te poupou yo. Eh bien, je vous dis, c'est sous site ça, en pile haïtien, en pile maman, papa, petit acte, moun a vive. Yo pa wè ni en haut ni en bas, yo pa wè comment yo pral voye ti moun l'école, allez voir pour ta vin parler de rentrer des classes, je vous dis, 11 septembre. Qui ça, ministre de l'éducation, Nesmi Maniga, tout Ariel Henry prévoit faire moun sa yo. Ou pas ka jou pral mette moun yo dehors sous site sa yo qui c'est pour la plupart c'est des écoles, c'est l'école yo ye.
Ou pas quand vous prenez le météo dehors pour dire l'école, pour ouvrir qui côté vous prenez, qui côté nous prévoit pour nous mettre. Ça, c'est un. Deuxièmement, moun sa yo qui perdu tout sa yo te gagné pendant que bandi fait yo courir quitter kayo. Pendant que bandi volé tout sa yo te gagné après mettre du feu dans kayo. Pendant que bandi, le bandi yo rive pour te bourrer sous moun yo, yo touye papa qui te tête famille, yo touye frère qui te tête famille, yo touye maman qui te tête famille, yo touye tonton, tantine qui te tête famille. Depuis tête famille pas là, tout reste famille mouri. Yo pa ka l'école, yo pa ka manger, pa gen support encore. Ki sa monsieur l'état pral di avec moun sa yo. Donc là nous conscient, li clair, li évident, département l'ouest a un grave problème là-dedans. Ou pa ka di 11 septembre l'école pral ouvrir. Mais est-ce que pour autant l'école pas ouvert? Est-ce que pour autant programme ministère éducation nationale te prévoit pour année scolaire 2023-2024 là, est-ce que yo pa appliquer? C'est l'opral ouais hypocrisie qui gagne par bon côté autorité l'état yo. C'est l'opral ouais niveau incompétence on paquet moun qui en dedans l'état. Si n'a prend responsabilité, nous prend responsabilité nous. Si nous pas prend responsabilité nous tout montrer peuple là clair que nous pas vle prend responsabilité nous, nous lagué yo définitivement, nous lagué yo officiellement dans mes gangs, dans mes bandits pour tout yo, pour tout pizio et puis c'est fini. Pas y a aucune disposition qui prend pour département l'ouest pour l'école ouvrir alors que c'est capital paysan, c'est là l'argent brassé, c'est la politique là brassé, c'est là toute bagaille à fait. Nous pas tendez politiciens au nan moment là quel te protagoniste nous pas tendez aucun cri non pour moun sa yo qui nan difficulté qui pas ka voye petit yo l'école mais son question de face à face avec Ariel Henry son question de laisser frapper pour pouvoir son question de bataille politique au toi que je m'y mette qu'a fait là retirer quoi bon mettez pas m'a fait alors que gagne des nécessités gagne des besoins urgents là nan moment n'a parlé. Est-ce que l'école doit ouvrir? L'école doit ouvrir, même en temps de guerre, l'école ouvrit, si moun à l'école, etc. Éducation, c'est clé. Mais est-ce qu'en Haïti, disposition prend là pour capital pays, pour département l'Ouest, pour fonctionner? Non. Pendant que vous oubliez département l'Ouest, vous avez réglé toutes les affaires dans l'autre département. C'est ça que vous avez. C'est ça que vous maintenant tête tout. Et la bataille qui a fait là, son bataille pour nous permettre à ce que. L'état clean pour nous retirer malandrin vagabond vagabond criminel assassin ça yo dans tête l'état pour nous gagne moun sérieux moun k'ap penser pour peuple moun k'ap penser éducation tout bon et moun k'ap bataille pour gagne bon jeune éducation de qualité en dedans pays ya pas gagne aucun parent là dans moment qui pral prend petit yo dans département l'ouest ça qui pral prend petit yo dans Delma sous Boudon dans canapé vert dans Debussy dans Magloire Amboise dans Croix des Rouquets dans Clercy dans Taban dans Fleurieux dans Peigné dans Outre-Frère dans Pétionville pour dire pral ouvrir petit l'école dans centre-ville pendant pas konn koton balmaron ap sorti pendant pas konn ki intention gang yo ki intention bandi yo pendant l'état pas fait rien pour contre carré gang yo pour contre carré bandi yo donc il était important pour nous te faire tirer ça pour qu'on ait que gen on ensemble département l'école ouvri pour yo mais capital pays a pas gen l'école pour lui. On nous rentre dans information yo sans perdre du temps. J'aime te annoncer le nan commencement émission hein, et bien secteur protestant, secteur évangélique là en deuil. Yo en deuil suite avec nouvelle la mort et pasteur et Gérald Bataille qui gagne devant lui qui te gagne devant lui et 50 ans de ministère 50 ans et depuis il tape mené en bataille de chrétienté il tape mené en bataille pour acheter nom il tape mené en bataille dans secteur protestant pour garder comment il t'a lever niveau en façon et mounyo yo a mené secteur évangélique secteur protestant et bien nouvelle mort et Gérald Bataille, l'homme pas caché dit nous son nouvelle qui très controversée, qui divisé en pile monde dans société. Secteur évangélique là, nous connaissons secteur protestant dans moment là, moun yo avec mouchoir, yo a crié parce que Gérald Bataille et pendant 50 ans passé dans secteur, gen pile travail li fait, gen pile en pile travail li fait dans ministère li et ça pas rien de sous li. Mais yon lot bon genyen
en pile haïtien, en pile partisan ancien président Jovenel Moïse, en pile moun qui tap suivre déroulement dossier assassinat président Jovenel Moïse, compte tenu de implication présumée de non pasteur Gérald Bataille qui tap cité dans complot pour touyer président Jovenel Moïse, et bien suite avec nouvelle moi mes amis, c'est pas ti rosé, c'est pas ti l'obeille, c'est pas ti commentaire piment bouc que un pile compatriote quitté et pour famille pour ami pasteur qui a chance pour passer en bas vidéo qui poste yo. M'bral fait regarder avec moi et vidéo côté que pasteur Gérald Bataille l'été publié, l'été posté dans premier temps. Les rumeurs ont commencé dimanche matin bonheur côté que yo t'a dit pasteur Gérald Bataille mouri et pasteur a mouri, pasteur a parlé encore pop gardé et Jean pasteur Gérald Bataille Jean Vini est bien habillé, li vini, li vini di moun yo pas mouri, bien vivant ces rumeurs. Et bien yo petit après nous t'a pas recevoir information côté que pasteur Gérald Bataille li fait voile pour pays sans chapeau. Et on nous garde cette vidéo ça ensemble et puis n'a retourné et après. Bon, qui te dit bonsoir avec tout le monde qui a regardé nous, tout le monde qui a suivi nous, ou qu'on qui monde ça déjà, ou même qui était l'église là, ou qu'on est après service, nous est obligé d'aller à l'hôpital de Namuse à cause d'un petit malaise. Il y a un pile bagay kapti, même vini là pour me dire, il fait 4 heures, au moins 44 minutes qu'on y a. Et je vous dis, c'est dimanche lié, le 10 septembre. Toute précision, ça, c'est pour montrer, bagay en y est fixe là-dedans. Là, grâce à Dieu, moi très bien, c'était un petit malaise qui était vini, à cause sucre là qui était 467 comme ça. Donc après avoir passé environ 5 heures de temps dans Benameuse, dans l'urgence, et puis qu'il y a là capable tout la caille moins très bien grâce à Dieu, et pas inquiéter nous la pire aide par la grâce de Dieu n'a affronter tout ça, nous pas capables de surmonter ensemble avec force panneau. Et tout ça, c'est sérum, nous t'y prend, et puis, mais, macla, tout ça. Et puis, bon. Nous voulons nous bien. Nous la caille nous. Et docteur avoué m'vini, et nous très bien à la par la grâce de Dieu, Kimbila, Palagi, Bao, C'était intervention, et pasteur Gérald Bataille, leur rumeur là t'a couru côté que, et sous tout réseau, il t'a dit que pasteur a li mouri. Et finalement, il t'a pral mouri effectivement, il t'a pral vin. Et passer de la vie au trépas et yon ti temps après. Donc gen pile commentaire, si c'est pour commentaire chargé commentaire, mais bien avant et non obligé, c'est une obligation liée non situation pareille pour nous porter sympathie nous avec toute famille, toutes amis qui endeuillé avec nouvel départ l'amour pasteur Gérald Bataille. Maintenant, nous rentrons dans ça qui est pour avec commentaire. Nous connaissons par rapport avec implication présumée pasteur dans le complot pour détruire président Jovenel Moïse. Il y a des gens qui pas fait comme si qui pas béré, des gens qui pas venu pour béré famille pasteur, approche pasteur, etc. On y a venu de manière cruelle, yo dit vérité, brûle sous coup. Il y a des gens qui dit que Jean Bagala est là, zombie pasteur, il va le faire sept tout. Et palais national, gen moun ki di et pasteur li pa bien droit participer nan complot pour touye Jovenel Moïse. Ki en pile commentaire et qui a fait nan dossier si la. Ce qui est sûr, c'est que pasteur Gérald Bataille li pa la encore.
et malgré te gagner mandat qui te mette derrière lui jusqu'à ce que lui mouri, jusqu'à ce que le parle encore, et pas en foi, et yo pas arrêté lui, pas en foi, li pas comparé devant juge d'instruction dans dossier assassinat président Jovenel Moïse. Donc parce que à traverser li aller déjà quitter l'aller, quitter le continuer et li devant et puis et nous-mêmes nous derrière. L'autre information qui est extrêmement important, c'est ça qui est pour avec question sécurité. Haïti sécurité ou bien Haïti insécurité, n'importe jeune venir n'a prend li. Gagné ambassadeur français à Fabrice Mouries, j'aime de annoncer là, eh bien, qui lui-même, dans 4 journées internationales coopération policière là, qui pas traité occasion pour lui te pété champagne, pour lui te vine chita avec autorité PNHO, pour lui faire un bilan de coopération la police nationale d'Haïti avec la police française, soutien que et pays la France bah avec institution PNH, collaboration, yo, tout ça. Eh bien, ambassade de France en Haïti, yo te profité de journée internationale coopération policière là pour yo te faire un bilan de support et matériel, support technique et yo fourni avec PNH. Et nan moment n'a parlé à là, faut moi dit nous de janvier 2023 à août 2023 et ambassadeur français hein, li pas suspendre vanté formation, li pas suspendre vanté et formation technique yo bay policier spécialisé yo, unité spécialisé yo et tant kou BRI, BLTS, BLVV, des policiers DCPJ yo, DCPA avec SWAT. Et Fabrice Mouries li fait konnen que et suite avec yon paquet information qui t'a circulé sur tout réseau côté que nous t'ai ouais et nan douane et policiers yo té avec des séries de chiens et chiens sa yo, c'est la France qui t'a fait au cadeau. Eh bien, et wap tout connaît dans moment là que c'est pas seulement support et matériel by moto by et zam by machine etc que la France fait avec Haïti, mais tout yo ba nous yo permettre que brigade canine nous yo permettre que et BLTS gen chien bon chien qui entraîné bon chien bon chien français qui bien entraîné pour permettre à BLTS pour yo chercher drogue pour yo jeune stupéfiant en aéroport ou dans port ou bien leur faire en descente et tout ça grâce à la France grâce avec pays colonisateur nous yo bagaille pour tande oui yo te profiter pour yo rappeler nous que yo ba nous moto yo ba nous machine yo ba policier nous formation même chien yo ba nous qui pour aider nous dans lutte contre insécurité hein, et contre bandits qui a terrorisé qui a semé la troublaille en dedans la République. Et puis loin ambassade de France il fait connait que matériel avec et formation que yo bay PNH li pa permettre que policiers yo gagner et des techniques de combat en guérilla urbaine, li pa permettre que policiers yo capable et faire des interventions sous voie publique là, le yo campé en machine pour yo intervenir pour pas gagner drame. A Fabrice Mouries mette causé à terre dans ça qui gagne pour avec coopération police nationale avec police française pendant journée coopération internationale police nan mond la. Et gola qui vraiment attire attention, c'est question et chien. Question et cadeau, la France te fait nos cadeaux, 2 ou 3 chiens, et qui fait partie de brigade canine en de WLTS. Là, ça tellement te fait parler en pile, au même chien! Même chien, oui, pour mettre dedans institution la police, c'est cadeau pour faire nos cadeaux, etc. etc. Donc, nous comprenons que PNH vraiment, nous, c'est une institution qui est vulnérable, mais nous ne pouvons pas parler de vulnérabilité pour comme si pour bailler des pieds sous lui, non? Si nous avons l'argent, oui, pourquoi tout le monde a l'argent, nous avons pris l'autorité, nous avons pris jeter dans la fenêtre, là, prend mettre dans la poche, pour acheter machine pour ti femme pour ti ménage, ça ka acheter machine pour ménage femme, ça ka acheter machine pour ménage garçon, tout ça sous dollar république, sous do taxe, sous do impôt. Donc si nèg yo vle
Si nèg yo vle suspend pran route, suspend pran déception, humiliation, nan men l'autre pays, soi-disant pays zanmi Ayiti, yo capable. Qui ça ça a coûté pour yo prend on 10 millions de goud, on 20 millions de goud, on 80, 100 millions de goud pour mettre à la disposition PNH, acheter bon jeu équipement, bon jeu matériel, acheter chien, venir avec formateur pour former des séries de policiers en Ayiti qui pour dompter chien etc. Pour ça pour tout bagarre aller bien. Mais nèg yo prend plus plaisir n'aller devant caméra, devant micro la presse, comprendre, vini un bon ambassadeur en pays étranger, vini un bon responsable de la police et puis pour moun yo faire photo pour qui ça, pour un 10 moto, pour qui ça, pour un 3 chiens, pour un 5 machines etc. pour un génératrice yo faire un cadeau. Alors que yo te ka toujours décidé faire nos cadeaux, pas de problème. Mais si nous résout quelques petits problèmes basiques, sou résout problème courant d'institution, ou résout problème moto pour policier yo, ou résout problème gilet pa bal, kounya si on paye décidé à faire cadeau, c'est pas ti bagay ral sa yo pral faire cadeau. Kounya yo pral wè nécessité pour yo faire cadeau bon blindé, bon mitrailleuse, yo ka décidé a et bon gon compagnie là qui fait sorti drone sophistiqué etc. qui ka kadriye tout ton périmètre. Ah, m'pense à PNH, il bon faire au cadeau 3 drones, bon faire au cadeau 5 drones. Mais c'est pas question de motocyclette, c'est pas question de lampadaire, c'est pas question ti gilet pa bal yo ta wè pour yo faire nos cadeaux. Puisque c'est ça nous gen besoin dans moment, nous pas ka résoudre ti problème basique ça, ti problème à terre plate ça yo. Eh bien sérieux ba nous. Ou pas wè Ukraine? Ou pas wè Ukraine dans moment? Nan moment guerre conflit avec la Russie, nous pas wè ki sa y a ba yo. C'est ça yo besoin nan moment, ti problème basique yo te gen commencé résoudre yo. Yo ba yo sa yo besoin. Mais comme nous même dirigeants nous yo, c'est craser pays yo, c'est plein poche yo aller, donc ti problème basique yo fait carré vini, yo fait carré nan des gwen nous qui la cause on paquet pays pas prendre nous pour rien. Et n'a poursuivre dans ça qui gen pour wè avec question PNH. Pour pipiti, gagne 29 policiers qui fait voël pour pays sans chapeau en babal bandi. C'est ça. Sidanpoa qui c'est syndicat national police haïtienne li rapporté et par rapport avec yon date qui bien fixe 2 janvier 2023 septembre 2023 gagne au total 29 policiers. Que ce soit policier qui tombe dans le cadre d'exercice fonction yo et dans opération yo te almené nous pas jamais oublier et 6 policiers Udmo sa yo qui tombe en babal bandi ça vient 25 janvier on a fin commencé et puis c'est échec ça PNH pral pran 6 policiers 6 jeunes garçons rien 6 têtes femmes tombé jouk nan moment n'a parlé à là DG la police pas fait rien, IG la police pas fait rien, gen remaniement qui fait yo voye Paul Ménard comme nouveau directeur et départemental l'Antibonite. Gen pile bruit qui t'a fait pour Paul Ménard. Oh, Paul Ménard, allez, Paul Ménard pral pote et solution, Paul Ménard pral target bandi etc. Paul Ménard, allez, jout nan moment n'a parlé à là. Bandi ça vient yo a ferraille pendant week-end qui se passe ya. Et gen yon vidéo qui rive joindre nous côté que bandi ça vient chef gang Luxon Elan oui bandi a maré bandi volé a maré volé gros volé a maré ti volé qui ça bagay lan ye nèg yo machine yo te saisi pour la police leur te touye policier Udmo yo 25 janvier et bien yo prend youn nan machine patrouille PNH yo sirène en l'air Jéhovah fait ouhou bandi yo monte machine yo y a fait patrouille. Yo a fait patrouille chercher voler dans zone nan ka voler sous nos gang ça vient sous nos base gang. Est-ce qu'on t'a des TT ou t'a des radot? Nan ki pays sérieux, nan ki pays côté gen chef vrai gen autorité pour t'a des radot ça. Pour t'a des TT nan ça. Eh bien, au total gen 29 policiers qui tombé dans exercice fonction yo et que ce soit policiers qui tombé dans embuscade, policiers qui tombé et nan kafoufeuille un total de 29 policiers. Nous déjà konnen nou pa gen assez policiers k ap kouri kite Ayiti pour mauvais la vie ak insécurité et bien vinn mete sou ça ça n'a perdu et ba en pile problème vraiment dans institution la police. Gen yon vidéo qui rive joindre nous hier côté gon cortège au lieu yo prend route Matisan yo décidé yo pas faire Matisan. Yo pa passe nan territoire perdu sa, territoire déjà perdu, yo pa wè ki intérêt pou yo gen pou yo al perdi tèt yo. Yo décidé APN tèt droite
bateau et puis yo prend bateau yo descend et pour yo descend Mariani pour yo continuer route pour yo aller dans grand sud pays. Il y a des monde qui dit c'est cortège premier ministre Ariel Henry que nous pas en mesure et pour nous confirmer. Mais la seule chose qu'on regarde dans vidéo effectivement c'est un cortège qui gagne au total 6 machines là dedans. Donc on est là Ariel Henry a déplacé lui-même Nexa. Et c'est la l'impression c'est tout policier dans la République de l'Ouest que le déplacer derrière lui pour suivre lui parce que Ariel pas rancé avec sécurité lui-même. Ariel sensible pour sécurité, peuple a mettre sa sécurité bal sécurité. Peuple a bandi met a touyer, pas les policiers pour défendre, ba Ariel sécurité. Et bien bon quitter nous garder vidéo là, on va regarder là dans vidéo. On va regarder dans vidéo. Jean cortège a défilé. On va regarder. On m'a posé tête une question, est-ce que véritablement nèg yo sérieux avec pays? N'a regardé là, machine n'a sorti. Police ça franchement, franchement pas comme ça me dit de nèg ça encore. Monsieur dame ça qui dans institution la police qui a bail ministre secrétaire d'état premier ministre directeur général sécurité à un certain moment population t'a supposé identifier malandré ça yo parce que nous pas ka prendre risque ça yo pour nèg ça yo nous pas doit prendre risque ça yo pour val pas ça yo pour qui raison parce que le nous mêmes nous mouri le nous mêmes nous blessé yo automatiquement nous mouri nous blessé on pas fait ni deux ni trois formes possible yo rétablié nous yo remplacer nous immédiatement. Pour qui ça institution la police si yo tellement remet nous comme ça à côté nous pour qui ça institution la police yo pas make sure yo pas assurer yo que institution tout bagarre bien marché là dedans tout bagarre bien marché là itiz ami qu'a fait qu'on un groupe policier décidé prend direction APN tout bon al monter bateau tout bon pour sécuriser un paquet nèg qui pas choisi faire rien pour retirer pays à côté li là. Ouh, moi m'baï ça on pas regarder yo. Honnêtement, bagay ça bon gros tête fait mal parce que ça son l'autre aveu qui dit que nèg yo pas régler rien dans question insécurité. Que nèg yo pas venir régler rien dans question bandi cap terroriser population. Sou quoi menti? M'bral moutou, m'bral pouvo. Yon jou après premier ministre Ariel Henry. Te fin installer le sous pouvoir comme met essayé. 21 juillet 2021, Premier ministre Ariel Henry a participé dans l'émission dans Radio Télémétropole. Ariel a bay la République 2 mois pour résoudre le problème de sécurité, pour résoudre le problème de stabilité politique et pour remettre le pouvoir bay des élus. Mais pour bagay qui attire l'attention, que Ariel a dit qui méritait ou même pourtant de l'aime dit ou que nèg sa yo yo pas vini pour la paix ou pense c'est menti. En réalité que te dit nous très clairement c'est pas seulement lui même qui gen responsabilité pour payer a bien marché non. En réalité que te dit tout bagay clair c'est nous même qui pas comprendre. M'pral faut regarder dans vidéo ça côté Ariel tap bay détail côté Ariel te gen tan fait aveu sous pas jeune sécurité pas dit responsable. Sou pas jeune travail pas dit responsable. Parce que elle te dit toute bagaille très clair, toute bagaille te dit tant coup de l'eau roche. En nous garder attendre ensemble. Quel est le mandat que vous donnez par exemple? D'abord le mandat. Pour sécurité, moi je pense sécurité dans moins de 2 mois, n'a pas gagné. Dans moins de 2 mois? Dans moins de 2 mois, n'a pas gagné. Dans moins de 2 mois. Et pas uniquement parce que je prends de nouvelles mesures. Il y a des mesures qui dépendent, qui sont en cours et qui apportent des fruits. Donc, ça ne va pas faire effet d'annonce. Ah ouais. Ah ouais. Alors, l'autre question, je voulais dire qui nombre de temps que vous baillez tête, parce que je vous dis, sans être vulgaire à votre égard, vous êtes le seul maître à bord. Non, je ne suis pas le seul maître à voir. Comme chef, si vous voulez, comme premier ministre. Je suis d'accord. Je vais vous dire quelque chose. Je suis un chirurgien. Vous êtes venu faire l'opération, alors? Non. Je suis un chirurgien. Pour faire de la chirurgie, pour faire un travail d'équipe. Si mon anesthésiste me boycotte,
je vais perdre mon malade. Si mon assistant fait de mauvais gestes, je vais perdre mon malade. Si l'infirmière, et je dis l'infirmière, même la femme de ça fait des fautes, je perds mon malade. Ton équipe, il doit mettre là. Même nèg moun k'ap balayé jusqu'au chirurgien. Parce que tu sens le locataire a fait tomber médecin, hein, et puis il c'est la catastrophe. Ou qu'a infecté malade dans tout. Mm-hmm. On t'y geste, on t'y oublie, ah, ou qu'a fait du malade. On va se la mettre à bord. Pour y'a un appel de dit, on ne compte pas le gouvernement. Pour qu'on entende. Pour qu'on entende de la société politique, de la société civile, pour que nous allions nous dire. On me dit, mets à bord, là, on va seul, mets à bord. On va quoi? On ne pas dictateur, on va jamais rêver. Deuxièmement, nous avons conseil des ministres. Et maintenant, travaille avec les ministres pour nous chercher des décisions par consensus. On ne pas penser, sauf dans le cas extrême, et me participer dans plusieurs conseils des ministres, mon connaît qui j'ai ça marché. Ou pas penser que des votes au niveau de conseil des ministres, c'est mieux bail. Vous pensez qu'on a procédé par consensus et par solidarité entre tous les ministres. C'est comme ça, moi. Donc je ne suis pas seul maire d'abord. Mais vous êtes le leader de l'équipe. C'est peut-être en ce que l'on voulait mentionner. J'ai leader, on entraîneur. On coach. On coach. Un leader quand même. Un leader. Mais je ne suis pas le seul maître à bord. Le maître des vies et des biens, ce n'est pas moi. Et voilà. Nous sommes gardés étant des déclarations Premier ministre Ariel Henry. Une partie qui est intéressée dans la déclaration, c'est parti côté Ariel a bail détail en tant que chirurgien et mais comment l'équipe doit fonctionner, etc. Est-ce qu'on prend sang ou prend-on pour bien garder expression visage Ariel? Le autre Ariel là, le cynique, le sadique, vrai. On regarde Ariel qui parle. On a dit, mon cher, ça Ariel a dit, yo, li di li, ba yo sorti en dan nan ni. Ça Ariel a dit, yo sorti en nan ni, parce que on regarde expression visage, on regarde, li pa gen doute sur ça la dit, il était attaché, convaincu de ça la dit, yo. Si nous considérons Haïti comme malade là, on nous garde Haïti comme malade là. Ariel a une équipe avec elle. Ariel a un ensemble de ministres, un ensemble de directeurs général, un ensemble de secrétaires d'État qui avec elle qui travaille son équipe. Et dans l'équipe ça, on nous garde bien. Si on est dans le gouvernement, on est dans le pouvoir Ariel là. Bon, on est dans l'accord 21 décembre ça. Qui gagne un paquet de 40 clous, un paquet de sous-seurs, un paquet d'escamotés, un paquet de séries, un paquet de gangs à veste, un paquet de politiciens criminels, machin de pays. Qui passe 4 ans à déstabiliser un pays, craser un pays, parce que vous avez besoin de pouvoir. Journée et jeudi, vous avez besoin de pouvoir dans le monde. Qui résulte en réel, Balbaï? Chaque monde a cherché plein poche, chaque monde vient défendre l'intérêt par le pouvoir réel là. Et même Ariel, peut-être pas l'idée intérêt, pas la défendre dans le pouvoir là. Nous pensons que ça Ariel dit nous là, il menti. Nous pensons que ça Ariel avance là comme argument pour le fait que son chirurgien, si infirmière voye AA, si anesthésiste voye votre, si femme sage voye votre, en y pas marché malade là, mourir. Nous pensons que c'est menti. Eh bien, c'est de Haïti Ariel t'a parlé nous là, oui. Ariel prend exemple pour le dire qu'en Haïti, ce n'est pas seulement lui-même qui est responsable de ce qui a passé. Il n'est pas seulement responsable des bandits de Ravigno qui ont tué, qui ont violé, qui ont volé, qui ont tout pisé en toute impunité. Il n'est pas seulement responsable de gang G9, G-Peuple, qui ont tué, qui ont kidnappé, qui ont fait tout ça qu'on est pour déstabiliser le pays. Il n'est pas seulement responsable de la Tiboline de ce qui a passé. Non? C'est toute équipe liée avec elle qui est responsable. Je ne veux pas dire là, elle n'a pas cherché coupable, elle n'a pas cherché complice, auteur, co-auteur. Les isolés, si la pli, les vite l'homme, les l'homme sans jou, les balles gang, dans sa avion, tout y a kidnappé, yon pas seulement responsable, c'est tout yon même avec équipe Ariel Henry qui est responsable qui derrière sa capacité. Parce que nous même, je ne j'en dis là, pendant 2 ans, qui chita capitaine que bon solution qui pote,
Alors que dans 2 mois, Ariel te promet qu'il a résolu toute bagaille, pays en pral bien marché, rien n'est pas jamais fait. Nous rend Ariel à toute équipe, li, à tout bandit, à tout gang, à tout bandit légal, yo, responsable de Jean pays en journée jeudi en là. C'est insouciance, c'est indifférence, c'est laxisme, c'est manque de volonté, c'est mauvaise foi qui mettait nous là à côté nous hier journée jeudi. Donc Ariel t'es clair. C'est nous-mêmes qui attendons, qui demandons. Oh, insécurité. Ariel dit un mot. Elle dit un mot. Mais on t'a dit parlé. On t'a dit parlé. Je ne dis pas, c'est pas. N'est-ce pas faire de manière consciente. Le rapport a sorti, le policier a quitté le pays, a sauvé, a allé. Le policier a allé dans Biden. Yo fait le consciemment. Yo fait non seulement yo a créé une psychose de peur, la caille population. Mais tout bandit a vu une longueur d'avance. Nèg yo pa vini pou mete sécurité sinon sécurité t'ap mete déjà. Nèg yo pa vini pou mete stabilité sinon t'ap gen yon entente politique qui joine déjà. Nèg yo bon objectif clairement défini. Ariel bon côté le pralé en tant que chirurgien avec paysan, malade la li ouè, malade la mouri nan mel. Mais quand même, malade la fin trépassé, nèg yo tellement sadique. Yo poko jam décide de déclarer à famille malade la que malade la mouri non. Yo di oh li en observation. Yo mette l'en observation. Yo mette superfusion, y a bay sérum. Chaque jour y a bay prescription. Mais prescription nan de gwen fami malade la. Allez, al achete sérum. Al achete calmant. Al achete mette l'argent pour anesthésie. Mette l'argent. Yo besoin oxygène, yo besoin ceci, yo besoin cela. Chaque jour, yo di fami malade la. Yo vle fè peuple la comprendre que Haïti nan moment n'a parlé à la Haïti en observation, Haïti en oxygène, Haïti besoin ceci, Haïti besoin cela, mais yon konnen yon fin malade là. Yon konnen yon touye déjà. Yon konnen yon fin avèl déjà. Mais pour opinion internationale là, pour nous même qui gen bouche pour parler, qui gen voix pour parler, yo pa vle montrer à clair que yon fin ak peyen, mais de temps en temps ouè gon communauté internationale qui a voyé émissaire en Haïti. Gen États-Unis qui a pris décision pour Haïti non Haïti. Gen États-Unis qui dou Jean Bagay la et là faut gon intervention. Yo sont dans force multinationale, yo descend dans force de soutien à la police. Donc que l'on veut ou non, situation Haïti a. Dans ça nous yé journée jodi an là. Tout moun dehors konnen Haïti fini. Tout moun dehors konnen Haïti a prépassé. Mwen impression c'est celle haïtien qui a vive dans pays. C'est celle haïtien journée jodi qui sous ti bout tè papa de saline nan. Qui wè que Haïti pas mouri. Qui wè que Haïti peut-être bon chance toujours. Qui wè que Haïti capable sorti dans sa liè. Mais pour sorti dans sa liè, faut que nèg sa yo ki la kap souse, kap totot, kap prije mamel la, faut pas là. Ou bien nous même faut que nous décider assumer responsabilité nous Jean nous ouais moun wana mettre là faire l'union faire la force hein? C'est ça doit bon message qui voyer qui sorti par bon côté population voyer bay pouvoir voyer bay international que vous voulez prendre pays en main que vous voulez assumer responsabilité comme haïtien Jean africain a fait dans moment là Jean bagay yo a fait au Niger Jean bagay yo a fait non paquet l'autre pays en Afrique côté que yo dit yo coupé fâché avec l'Occident yo coupé fâché avec colon yo prend pays yo en charge yo prend destin yo en main. Parce que sinon, nous pas gagner pour nous espérer de Ariel, nous pas gagner nous attendre de Ariel. Faut que moi dis nous dans dossier politique, malgré CARICOM accepter gagner défaite qui fait et gagner défaite qui subit et pas bon côté gouvernement Ariel Henry, le fait que gros déception ça yo prend Ariel pas choisi transcender, Ariel pas choisi céder bay opposition politique là. Eh bien, CARICOM pas baisser les bras. Non. CARICOM la pi red. Eh bien, demain mardi 12 septembre, CARICOM prévoit yon réunion en visioconférence avec l'annonciature apostolique, côté que yon pral fon chita parler avec l'église catholique pour yon gade comment yon ka fè bouje ligne, comment yon ka intervenu dans question et politique en Haïti, rale zore Ariel, mande le Saint-Siège, ale rive jouk nan zore Vatican, ale rive jouk nan zore Papla, mande grâce pour Haïti, mande pardon pour Haïti, intercede pour Haïti contre malfecteur.
secrétaire Ariel Henry à Kakolik Lio. Son bagay comme ça, son démarche comme ça, que CARICOM li décide entreprendre et mardi 12 septembre, Cap Genyen et pou vini la. Ça extrêmement important. Et pour nous finir, Genyen et dossier d'Abonne. Genyen dossier et Haïti République Dominicaine. Donc on est comme tension diplomatique là dans moment là entre deux pays yo, et à cause et qui sur canal irrigation sous rivière Massacre que haïtiens ont décidé yo pas bailler gen pas bailler vague faut qu'il finisse. Et bien pendant fin semaine passée hein, jeudi et vendredi, il y a un paquet d'informations qui t'a circulé qui fait quoi que immigration dominicaine t'a déporté en pile élève l'école haïtien yo, yo t'a prend dans l'école etc pour yo déporter yo. Et yon information qui rive joindre nous, en information nous ka fait confiance d'un souciable qui fait nous connaît que et jeudi et vendredi véritablement la police la mette présent dans paquet l'école côté que et haïtien et parents haïtiens voyaient timoun yo dans l'école ça yo des séries de l'école qui gagnent et timoun haïtien là-dedans yo. Effectivement la police la mettait là dans l'idée pour vinn faciliter timoun yo quitter l'école là retourner la caillou pour faciliter parents yo vinn chercher timoun yo retourner la caillou suite avec incident qui t'est gagné dans Dabonne dans localité qui relé l'Agora côté que et te gagné 4 dominicains qui t'est mouri et ou te fait quoi c'est haïtien qui t'est trouyé yo. Mais gè update nan dossier ça, gagné yon gang qui monte en République Dominicaine, chef gang nan son dominicain, mais nan gang si la gagné un paquet haïtien qui a opéré nan Dabonne. Ça yo fait, yo rentré la caille moun sa yo, yo volé et l'argent, yo prend bijou, yo prend téléphone, yo prend tout ça yo te besoin prend et puis yo trouyé moun yo mete sou. Eh bien, famille victime, yo, yo estime comme premier moun et la police dominicaine te arrête, c'est ton haïtien, yo boy, bat, même arrête, yo te touye li, comme nan dossier a gen haïtien la dan, yo commence la chasse aux haïtiens nan Dabonne. Et puis, soit dans de la, yo debake ak zam, yo debake avec machette, yo debake avec ponya, yo pral cherche haïtien, ti haïtien yo, pou yo tire revanche, pou yo touye, etc. So, situation panique, eh bien, la police dominicaine, l'armée dominicaine te oblige intervenu, et pou yo fè ti moun sa yo kite l'école, etc. Est-ce que yo depote yo? Nou pa gen information que yo depote yo, mais nou gen information que yo te oblige vin akopare ti moun yo, vin sécurise yo, pou yo te ka facilite déplacement ti moun sa yo. Et mais nou pa oublier gon situation tension nan moment la tou en République Dominicaine. Donc si yo te joine possibilité pou yo depote yo, m'pense que yo te ka tout fèl, parce que et dominicain nan moment yo pa wè haïtien bien, yo pa wè haïtien de bon oeil. Genye yon document ki a circulé et sou internet lan et sou réseau an ki concerné yon mobilisation que un groupe ultranationaliste dominicain lancé contre haïtien qui a vive nan Dabonne, précisément dans localité la Gola. Nou pral regarder avec moi. Et est-ce que le document li authentifié, li gon signature certes, li scellé, li gen sou sou li? Son document qui sorti dans date 6 septembre 2000 passé hein. Côté que gen comité droit de l'homme et l'OMA de Cabrera qui fait qu'on est que demain mardi et 12 septembre là aux environs de midi et municipalité a gagné des dispositions que pral prend pour mettre haïtien dehors pour pousser do haïtien dehors yo pa di la haïtien encore yo pa coller les épaules avec haïtien encore et dans Dabonne dans l'Agora parce que haïtien en moment là c'est tant que la peste. Yo a fui haïtien et yo pa nan kole serré avec haïtien. Haïtien a volé de l'eau yo. Oh oui, c'est ça dominicain yo mete nan tête. Haïtien a détourné de l'eau yo sous rivière Massacre, a prend de l'eau yo pour mettre la caille pa yo. Haïtien a fait dis, haïtien a fait dat kont yo même et fòk yo mette haïtien dehors, fòk yo pousser de haïtien. Et gen mobilisation qui a fait et c'est une des raisons et qui fait nous même n'a toujours
et invité haïtien qui en République dominicaine, on a toujours lancé un appel à la prudence. Nous invité à faire en pile prudence, et c'est la caille qui la caille, c'est pays nous Haïti qui la caille moun pas la caille nous pays voisin, pas la caille nous. Ou mettre senti à l'aise, tout à l'aise, confortable, tout confortable en République dominicaine. N'importe les dominicains décidé, yo pas coller serré, yo pas dire avec ou bon garanti. Même dominicain qui était plus à l'aise avoir plus rien là, l'a gagne obligation pour la gagner pour le livrer parce que c'est lui même quand on groupe, il pas gagne l'autre choix que quitter ça passé. Donc nous obligé prudent, nous obligé veillatif, nous obligé vraiment veiller côté n'a mettre pied nous en République dominicaine parce que et dans jour ça il y a pile mauvaise nouvelle qui a circulé qui concernait haïtien qui concernait et un groupe ultranationaliste dominicain, un groupe raciste, n'a pas dit bagay lan jan li a, un groupe raciste dominicain qui parlait wè haïtien. Mais ça qui est beaucoup plus important, on doit connaître. Dominicain, c'est pays voisin nous. République dominicaine, c'est pays voisin nous. Nous appelé pour nous cohabiter sur un même tizile, sur un bout de terre, ensemble. Cependant, je ne veux dire, crise qui est en Haïti, li plus fait bien, li plus ranger, li plus fait affaire dominicain que tout l'autre monde te ka connaît que tout l'autre pays qui te ka existé. Pour qui ça? Dans le temps de la colonie, le n'a gardé Haïti dans le temps de la colonie. Le te comme dit Haïti son pays essentiellement agricole. Qui ça nous te kon exporter qui te fait richesse et colonie française? Qui te fait richesse et non seulement colonie française mais qui te fait richesse métropole française? C'était café, c'était cacao, c'était coton. C'était sucre, c'était maïs, c'était bagaille ça nous t'ai exporté. Le fait que journée jodi Haïti vinn nan niveau lié là. Le fait que journée jodi en pile plantation détruit. Le fait que journée jodi là nous pas produit dur, nous pas produit cacao, nous pas produit coton, nous pas produit sucre, nous pas produit vétiver bagaille ça en quantité qui te fait richesse ou qui te fait et qui te sous exploitation colon français yo. Qui te sous exploitation métropole française. République dominicaine tire profit de ça. Journée aujourd'hui là de qui ça République dominicaine a vive qui fait ligue pied sous quoi Haïti qui fait la fait paquet l'argent qui fait que yo senti yo confortable yo ka humilier Haïti yo ka fait dis yo ka fait date. République dominicaine li gen deux principales activités qui li rentre l'argent. Li gen tourisme li rentre l'argent là-dedans qui c'est numéro 1 et puis li gagne agriculture li gagne exportation li fait produit le voyer dans l'autre pays café cacao sucre coton etc. C'est sous ça République dominicaine basé pour le faire économie pour le gagne l'argent pour le développer pays. C'est sous ça République dominicaine basé. Lorsque qui côté qui gagne plus belle site touristique qui côté qui gagne plus belle site touristique qui t'est ca pour ceux qui t'ont amené touristes. Haïti, ou bien pas les soucis, ou bien pas les 365 portes, ou bien citadelle, ou bien Guatemala-Richard, ou bien un pile bagaille. Ou bien un pile site touristique. 6 à 7 millions de touristes pour des parents qui ont visité Caraïbes, précisément République Dominicaine. Si Haïti a une stabilité, Haïti a une sécurité, qui côté vous avez venu? Comme si République Dominicaine, pays voisin, qui a plus belle bagaille que la gagne, non? Agriculture dominicaine, si agriculture en Haïti relance, si paysan plein Maribaro là, yo jwenn de l'eau, effectivement pour yo relancer agriculture, pour moun sa yo a planté, pour moun sa a récolté bon banane, belle graine carotte, belle graine oignon. Ou pensez République dominicaine, Jean Kounia là même dans j'ai pouvoir quoi yo, yo a exporté bagay, yo haïtien dépend de yo, vente nous dépend de yo et en République dominicaine. Nous pensez à Pavel, n'a fait coton, n'a fait cacao, n'a fait vétiver, n'a fait bagay pour nous voyer, pour nous exporter, voyer à le vendre à l'étranger dans le pays. Dominique pas jamais content mon cher. Donc instabilité, insécurité, toute bagay nous qui gen en Haïti là, premier moun li profite directement ces pays voisins nous. De comprendre. Dominique pap jom reme haïtien. Ça son bagay ki historique. Dominique pap jom reme nous parce que yo fait richesse sous misère, nous sous malè, nous sous problème, nous sous tête chargée, nous sous sans compatriotes français nous kap koule en dedans pays. Ça nous clair sous li. Moi m'a toujours exhorté compatriotes moi yo veye kote nan met pied dans République Dominicaine.
Et surtout dans ce moment-là, surtout dans ce moment de tension diplomatique, là, c'est extrêmement important. Pas pour mener sans besoin, pas sortir sans besoin, et pas comme si elle pour mener dans l'arrière pour faire ouais que sous-sol là, etc. Non, pas rien comme ça. C'est vrai côté ou à mettre plus haut. Et avant nous aller, et m'a rappelé ou, et projet rentrer des classes, projet rentrer des classes, li là, projet à pas camper, et nous toujours à penser, nous toujours à regarder comment nos cas, et jouer le fond pour nous supporter, si moun yo qui prend l'école, parents yo qui bien pour yo voyer si moun yo l'école, année et nous connaissons surtout Jean Bagaille difficile dans moment là ou même qui veut supporter qui veut ba en coup main et pour permettre que nous acheter valise acheter livre acheter cahier acheter l'autre fourniture pour tout monde qui à l'école n'a pas de support n'a pas de contribution n'importe et Jean ça y et m'ai annoncé déjà demain si je veux m'app sous site là m'app et sous rivière massacre m'va regarder évolution travail yo m'va regarder et comment et moun yo a continuer avec canal là et pression menace dominicaine intimidation soldat dominicain ou l'armée dominicaine a fait sous agent besapio sous haïtien yo pour nous font parler avec yo pour nous connaître et qui j'en sais. Mais international là dossier haïtien li pas campé. Dossier Haïti a pas campé, toujours gagné tergiversation qu'a fait, toujours gagné monter des sons qu'a fait pour garder comment yo cavoyer yo force étrangère en Haïti, que ce soit policier, que ce soit militaire étranger qui a gagné pour une foule sol là et dans l'idée pour venir des PNH rétablir sécurité en Haïti. Et nous connaît déjà comment li plus facile pour autorité ou pour dirigeant yo leur ont problème, leur institution pose problème au lieu de réformer institution, au lieu de chercher résoudre problème nan yo profiter et yo jò choisi yo craser institution an, et yo craser l'armée et nous gagnen constitution qui mandé depuis 1987 li mandé pour gagne un conseil électoral permanent pa janm rive campé pour nous gagne cour constitutionnel li pa janm rive campé pour qui raison parce que nèg an Haiti nèg ka fè politique chef nan pays nous le plus facile pour craser institution que reformer institution pour résoudre problème yo. Mais est-ce qu'on connaît l'armée d'Haïti qui crasé nèg yo te gagné en pile option qui te campé devant yo qui te paraît devant yo pour te réformer institution que yo te crasé? Est-ce que nous connaît décision pour craser l'armée son décision qui te bien calculé le à l'époque autorité yo te ka choisi camper en face colon yo en face États-Unis en face pays ça qui t'a poussé qui t'a forcé ou qui t'a tiré sous code là pour te raser l'armée motivation qui t'a poussé au raser l'armée ça qui t'a gagné des décisions yo te prend pour te raser l'armée ou pral konnen li à travers yon petite discussion qui t'a fait entre Sauveur Pierre-Étienne, professeur Sauveur Pierre-Étienne, avec Guichard Doré, et à travers l'émission Forum, de trouver et petit débat, ça a été très, très important, très enrichissant, et ça a tout servi de leçon. Leur institution qui n'a pas fonctionné en dedans pays, ce n'est pas craser pour nous craser, mais plutôt c'est réformer pour nous réformer, c'est changement pour nous porter là-dedans, son coup de main pour nous bali. Puisque l'un nous prend décision pour nous craser l'institution, il fait plus mal à payer que bien. En nous garder ensemble, qui ça qui t'a dit dans le débat là? Donc, il y a un problème avec l'armée. Vous craser, mais qu'il y a Chine là, mais oubliez qui ça, l'armée Pinochet là, t'es fait au Chili. Les démocrates chiliens, vous ne craser l'armée chilienne. Brésil, c'est côté coup d'état militaire. En Argentine, nous comptons toute histoire, en République dominicaine. Voilà que on dit, pour résoudre le problème, moi, accélération Michel François, occasion institution et l'armée d'Haïti. Et puis après, je ne sais pas si c'est 18, si c'est 20, si c'est 25, l'armée vient la caillou, accueillir. Parfois, il y a un mouvement, je ne sais pas dominicain, non, mais je dis, mais l'armée américaine, là. L'armée canadienne, l'armée française. Nous avons un problème pour nous résoudre nous-mêmes, Haïtiens. Il faut que nous réfléchissions pour nous dire. Côté nous qui fait progrès, je parle en termes de développement économique et social, pour former main-d'œuvre, pour créer emploi, pour créer conditions pour nationaux, les gens qui font la carrière, les citoyens, investis, et pour attirer les investissements directs étrangers, un cadre institutionnel, un cadre étatique qui est indispensable. En dehors de ce cadre étatique, on n'a pas penser la nation, on n'a pas penser le développement. De quoi parler de l'État, de qui ça n'a pas parlé, on va parler d'une macro-structure
qui possédait un double monopole de la violence physique légitime et de la fiscalité. Monopole de violence physique légitime, non? Qui s'est balil? Ce sont ces appareils répressifs et administratifs qui balil monopole contre physique légitime et monopole fiscal là. Donc, qui ça y a eu appareil répressif? Il faut ne pas perdre yo. L'armée, la police, prison, tribunaux, c'est yo même. Donc, si on dit ou même ou démantelé, alors il faut ne pas mettre tout le bagage sous dos Jean-Bertrand Aristide, non? Il y a fait parler. Mais mon Dieu responsable, destruction de l'armée d'Haïti, lui est l'ancien général Prosper Avril. L'occrasé bataillon Kazène de Saline. Yo dou, en termes de bataillon tactique, c'est une meilleure qui te gagne dans le Caraïbe. Yo pas comparé la Cuba, Cuba n'a fait pas. L'ordre le corps des léopards, unité d'élite anti-guérilla. Bon, l'ordre rasé de ça, ou bien l'ordre général vini pour le saluer, sergent Yeboué. Qui ça qui fait force en l'armée? C'est la notion de hiérarchie, chaîne de commandement, discipline. Des bons généraux saluent un sergent, même si je suis là, je me retire comme, parce que je ne suis pas contre le garde. Donc, l'ordre des dirigeants, au lieu de renforcer. Ne pas parler de Caribou. Ne pas parler de Caribou. Au lieu de renforcer l'appareil répressif et administratif de l'État, il démantèle. Il y a un bon résultat, ça. L'État est effondré. Ou bon, l'autre problème, c'est que dans le pays tiers-monde, comme Haïti, pays carbone, j'en voulais les léo. Eh bien, l'État est déjà faible. Et sans le secteur privé, il a besoin. Il faut utiliser les béquilles de l'État pour être capable de marcher tout. Donc, lorsqu'on le dit à t'emboîter dans béquille, ça veut dire toute la sainte journée qui a tombé. Donc, il faut que nous chita. Non, quand ça m'a dit les États généraux de la nation, on a discuté. Alors, l'assistance-là a été attendue à Tegon Matchbox, Guichard Doré et moi-même. Alors, il faut nous poser problème, yo. Pendant capable de jouer dans PHTK ou dans Laval, là, sur l'appel, dans OPL, ça dans fusion. Oui. L'en a posé, ou bien posé en tant que scientifique, son communauté scientifique à l'université qui a posé problème, non? Ou bien c'est des citoyennes et des citoyens qui ont discuté sur l'avenir du pays. Ou bien ça a fait ça tout? Ou sur le chité dans le général avril là tout, c'est intéressant pour le chité à tout, pour le discuter. Et ah oui, pour les changer. Le débat. C'est ça qui est important. Nous tout pour non, je pensais que c'est ça qui est important. Pour nous parler. Je ne parle tout de même, mais Richard Doré. Je voulais compléter un élément par rapport à ça, sauver dire. Donc alors, on regarde l'histoire au cours de ces 25 dernières années. On croit que le peuple haïtien n'a pas qu'à vivre. Alors, l'État haïtien n'a pas qu'à vivre sans l'armée. Depuis 1994, il y a toujours une demande de type militaire dans le pays. On n'a pas l'armée nationale, mais on a toujours une armée quelque part. Donc, on est Nations Unies, oui. Donc, autrement dit, on n'a pas qu'à vivre sans ça. Et moi, c'est ça, il y a parfois des armées qui sont sans histoire. Oui, professeur, bah, méchant, ça m'a dit. Parce que l'histoire nous gagne, m'a répété l'autre professeur pareil, qui est aux États-Unis, qui dit qu'il y a deux grands événements. Dans l'Amérique là. Je dis c'est l'indépendance américaine et puis la révolution haïtienne. Si mon troisième en Europe là, le dit c'est 1789. On n'a pas arrêté, professeur Samuel Huntington, qui mourit pas trop longtemps. Oui, donc c'est important, on va pas dire comme si Mdadou et on va pas ignorer ça. Mais et là, on d'accord. C'est l'armée. Huntington, pas oublier, monsieur, son conservateur. Ça veut dire que ce n'est pas un cap fait un cadeau. Du tout pas. Hein? Donc si on dit qu'on nous lit. Il respecte ça. Alors, moi, t'as dit qu'il y a des profondeurs historiques. C'est l'armée qui donne. Quand on dit l'armée indigène, mais de toute façon, l'armée haïtienne quand même. Et qui bat naissance à l'indépendance du pays. Qui bat naissance à l'État tout. Mais il se trouve que l'État n'a pas arrivé à accompagner tout le monde qui est sous la sous-dégénation. Et c'est ça qui est tout défini aujourd'hui pour nous arriver. Atteindre sa médaille de prospérité ou de progrès en Haïti. Tout autant que pas de symbiose entre l'État et la nation, n'a plus rien de difficulté. Alors, tout à l'heure, nous avons dit avant nous, nous avons capacité pour intégrer les gens qui viennent de l'extérieur. Mais nous avons capacité pour intégrer les natifs, les nationaux. Et c'est peut-être ce pays en Haïti qui fait ça. Non, mais parfois, ma femme dit la vérité, je suis triste pour nous. Et il n'y a pas longtemps, la semaine, là, il y a une équipe nous, qui a dit que il a regardé. Parce qu'avant nous venir là, on regarde pour nous. Et puis il dit, bah c'est triste. On peut se sauver bien Étienne Boulogne. Quand il y a des gens parfois qui parlent de lui, bon, quand on parle tout de Leslie Maniga ou bien de. On n'a pas considéré rien comme effort
par rapport à quantité de travail, moi, que produit sur la République dominicaine, Haïti, Cuba et la République dominicaine, et quantité de travail pour même produit, sans compter. Pas bien, soit dit. En politique, ça arrive, nous, pour exemple. Non, mais pour qui ça, l'aide en politique, là, les gars qui sont des sous je ne sais pas faire moi aider même. Oui, mais c'est pas que ça. C'est pour ça que ça, c'est dit qu'on manque de respect. T'en fais un point pour vous, monsieur. Oui. Il y a un peu de monde qui parle, monsieur, qu'on peut te plaindre, monsieur. Je dis que c'est un monde qui est plus qualifié et plus compétent dans ça l'affaire. Comme c'est politique, s'ils font des bagailles qui ne font pas plaisir, par exemple. Mais, monsieur, là, malgré toute compétence qu'on a mis hier, il y a Antonio Sola 4 millions de dollars américains pour faire vagabondage. Il n'y a pas 50 000, non? Professeur, merci. Vous devriez accepter ça comme un compliment. Hein? Bon, on va dire bonjour. De toute façon, l'engagement n'a pas de bruit. D'accord. Mais je vais retourner dans le débat encore pour me poser nos questions et qui mène nous à une autre réflexion. Et la excusez-moi, je ne pas peur de faire mon peur. Mais les nations disparaissent déjà. Oui, l'autre jour, on a regardé l'histoire des Kurdes. Et ça, son bagage, nous avons fouillé. Il y a une civilisation même qui disparaît. Ce n'est pas jouet. Nous-mêmes, là, nous avons fait des autres, comme ça, pour vous sauver Pierre-Étienne. Nous faisons pile des autres. Et en Haïti, il y a des réflexions qui méritent faites sur le populisme qui n'est plus une réponse. On a dit ça fort. On bonne note, nous faisons quantité des autres dans le pays, ça, nous quittons les frontières, nous dormons. Nous pensons que là, toujours comme ça, personne ne va poser des questions sur la navase. Pas grand qui n'a rien du tout. Il dit que nous, bah, vague, nous là, et bon, nous ne pouvons pas parler de. Il y a traîné intellectuel ici, tant qu'il y a traîné vieille chemise sale. Et c'est très sérieux, ça n'a pas dit. Pendant, on reconnaît qu'il y a des nègres qui comptent lire, il y a des femmes qui comptent lire, qui mettent le pays dans une situation difficile, tout, dans la qualité de décision à prendre. Ça va, ben, nous, un peu de tristesse, là, nous regardons, nous, parfois, on a constaté, ça, Roger Gaillard, d'arrêter la déroute de l'intelligence, ça va, nous. Vous êtes docteur, monsieur. Je ne vais pas répondre par rapport à l'autre élément. On allait dans la constitution haïtienne après l'assassinat de Dessalines. On apprend 1816. C'est institué, ça nous a la République. On connaît un principe républicain, c'est que le citoyen est égal. Il est égal devant la loi, égal par gain de privilèges à la naissance. Donc, il se trouve que il y a des gens qui pensent dans le pays jusqu'à aujourd'hui, c'est par un héritage, par un nom de famille qui est pour insérer. Donc, à ce moment-là, nous bloquons, c'était d'autres goûts. Or, moi, c'est cette vertu républicaine que bon, Annie, ça fait presque 200 ans. Et nous avons respecté, ça dit que pour nous, bail en valeur centrale à chaque citoyen de son pays qui a intégré. Mais pour ça, il faudrait-il que nous mettions l'école à la disposition de tout le monde. Oh, il se trouve que l'école, grand monde, même les n'a parlé, ah, je ne sais pas qu'on lit. Donc, c'est comme je ne sais pas qu'on lit l'idée de moi-même. Donc, nous prenons comme un moyen d'exclusion. Or, l'école, tu as supposé un facteur d'inclusion. Donc, ce n'est pas pour me permettre à tous les citoyens de venir au niveau qui peut avancer, qui peut améliorer les conditions d'existence. Nous, pourquoi j'aime faire projet ça? On nous dit que l'école, l'éducation nationale, mais l'éducation n'a pas de ce qu'elle nationale. Mais par exemple, formation qui a été dans la 5e section, vers le même j'ai avec on est qui formé dans l'école qui organise ça pour un prince. Donc, comment moi, dans la République, si je vais arriver à faire ça pour me permettre tous les citoyens aux jeunes, même accès à l'éducation, même accès aux moyens d'existence, comment je pense que je vais réaliser un rêve? Sinon, que vais toujours un groupe qui dit bon moment de la durée, la République m'a oublié, moi-même, m'a pensé écrasé par eux. Et c'est ça, nous arrivons depuis 86. Moi, je pense que faut une rupture par rapport à modèle ça, je pense qu'il y a plus que 30 ans, qui va barrer, nous rendons compte que par rapport à la République dominicaine. Écoutez, PIB République dominicaine, c'est presque 6 fois PIB d'Haïti. Donc, on paquet haïtien qui a traversé ces frontières-là. Alors, dans les années 60, nous étions presque au même niveau. Donc, même quand il y a ces bagages pour nous faire, il faut faire les réformes nécessaires. Et souvent, en Haïti, nous avons tendance à, pour des raisons politiciennes ou bien populistes, les pour nous faire réformer, nous devons assumer pour nous faire réformer. Et moi, je crois que aujourd'hui, il faut. Les gens qui sont responsables, les gens qui parlent de la c'est pas parce que la population parle de bagage. Sauf qu'on est comme on fait partie de l'élite, qu'on est là beaucoup pays, il faut comprendre. Parce que c'est ça fait recul, ça nous fait depuis plus que 30 ans, ça fait payer à côté de l'Eodia. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial, vous dites tout. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti.